Bonjour, bonsoir à toutes, comment il est? Nous espérons que vous allez bien derrière votre télé, votre canapé. Comment tu vas, En Elodie? pleine forme. Ouais, Ouais. on a une superbe invitée. Alors, non seulement elle est au centre de la table, mais en plus elle est canon comme tantine. Ça, tu vois ça, voilà? Non, mais vraiment. Bonsoir, Jenny. Bonsoir. T'as vu l'introduction de malade là? Bonsoir. J'ai vu ça. Elle est magnifique. Ouais. Tu vas bien? Très bien. Ouais, t'es contente d'être là, là? Franchement, oui, je suis très contente et en plus, je suis bien entourée. Oui, non, j'avoue, Super. il n'y a pas plus folle que nous. Et en plus, voilà, on va te poser plein de petites questions, on va te découvrir. Et d'après toi, qu'est-ce qu'elle fait, Jenny? Mannequin? Pourrait, ouais. Mannequin, Trop je suis petit, sûre. trop Ah bon? Ah, trop petite? Quoique, Ah, c'était pas maintenant. Miss Réunion? Non. Ah mince alors, à rater encore. Tu viens d'où, Jenny? Alors, je viens de Sainte-Suzanne. Ah bon? Une Oui. tantine de l'Est, Une jolie comme tantine de ça l'Est. là. Ben dis Oui. donc. Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'habitude, on dit que c'est les filles du Sud qui sont belles et tout. Non, n'est-ce pas? Non, je sais pas. Non, dans le Non, Cumbrien, je non, non, rectifie, non. Karine. Les Oui. Rayonnaises sont Les belles. Réunionnaises sont belles. Excusez-moi. C'est mon petit côté portois, c'est pour ça. Alors, Jenny, dis-nous un petit peu, quel est ton parcours? Alors, mon parcours depuis l'école ou... Oui, alors, tu es sortie de l'école, tu as fait quoi? Alors, je suis sortie de l'école, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire. Ouais. Après, j'ai enchaîné avec une école d'ingénieur. J'ai Oui. obtenu mon diplôme. Et suite à mon diplôme, je me suis redirigée vers l'enseignement. Alors, j'avais hésité entre un doctorat et j'avais la possibilité de faire un doctorat. Et pour moi, c'était trop à un moment donné. J'avais un peu marre. Donc, Combien d'années d'études, ça, ingénieur? ingénieur, c'est 5 ans. 5 ans. Donc, elle est belle, hein? Elle est intelligente. Et on va Après, savoir la suite après. Quoi après, d'autre? les études n'amènent pas l'intelligence, je veux dire, c'est, on peut être aussi intelligent sans forcément passer par Attention, si les vous avez fait études. un master, un doctorat, ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Ça se trouve, vous êtes très... Tadam! J'approuve ce qu'elle dit parce que tu sais pourquoi, j'ai lu récemment qu'en fait on disait d'un livre que c'est pas l'intelligence qui compte, mais c'est l'attitude. D'accord. Ouais. Effectivement. Moi je distingue l'intelligence et l'instruction. Oui, effectivement. Et suite à ça, donc j'ai été enseignante Oui. dans un collège pour commencer, puis dans un lycée. Donc c'était sur les filières techniques. C'était pas de la langue parce que je sais que j'ai rarement dit les langues. Donc c'était sur de la génie mécanique. Ouais. Waouh, non! Et avec que des classes de mecs. Avec Donc. des chaussures de sécurité et tout? Alors non, ça c'est Ah plus bon? technique. Moi c'était technologique. Donc D'accord. c'était pour préparer les élèves. Généralement la suite de ces élèves-là, ce sont les écoles d'ingénieurs normalement, ou sinon les filières techniques au niveau de la métropole comme technicien Oui. ou autre. Et après, entre-temps, je me cherchais beaucoup. Vous savez, quand on se lève le matin là et qu'on sait pas, t'es un truc qui dérange. Pas Il y a motivé. ça, et aussi des fois on a tout et on se pose quand même la question, mais qu'est-ce qu'il manque en Ouais, fait? ouais. Et donc j'étais dans une période où je me cherchais, puis j'ai voyagé. Donc après j'ai connu aussi une année, on va dire un peu charnière. L'année charnière, c'est quoi? C'est quand tout arrive. C'est-à-dire vraiment un peu 2020 en bis repetita. Vraiment, Je pense que 2020, c'est. c'était une Ouais, superbe année c'est. pour tout le Mais monde. en même temps, on peut garder le sourire chez soi. Oui. Et dans mon cas, c'était une année où j'ai tout connu, rupture, problème d'argent, C'est quelle année ça? problème. 2018? C'était l'année, non, c'était l'année. Oh là là. Il y a 5-6 ans. Ah bon, d'accord. Très Donc, bien. 2014, 2015. Et suite à ça, ben voilà, gros point d'interrogation, parce que aussi dans la société, là, quand c'est pas habituel d'avoir une femme qui, à l'aube de ses 30 ans, tout d'un coup, voit sa vie chamboulée, et tout le monde se dit, en gros, tout le monde est inquiet pour soi, parce qu'on se Oui. dit, ben, t'as pas d'enfant, là, t'es toute seule, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Le monde va te tomber sur la tête. Et ça aussi, ça me faisait réfléchir. En créole, dit comme ça, va finir vieux fille. Oui, dis. Merci les parents. Et après ça, ben, j'ai voyagé pas mal parce que j'étais toujours, j'avais besoin d'être seule. Et des fois, à la réunion, on peut pas réfléchir, même si des fois, on peut dire, ben, allez à Mafate. À Mafate aussi, on peut trouver des gens. La réunion est petite, il faut le Oui, dire. oui, oui. Donc, j'avais besoin d'aller ailleurs pour réfléchir. Donc, Ouais. c'est là que j'ai commencé à C'est où ton un peu ailleurs? plus. Ben, ça a commencé avec la Corée du Sud, Séoul. Ah, c'est pour ça que tu nous largues deux, trois mots coréens, on n'arrive même pas à suivre là. Et après, c'était Los Angeles, un voyage qui m'a marqué également.
Magnifique. Et après, à mon retour, pendant ce voyage à Los Angeles, il y a eu un challenge sans suite qui a été lancé dans une conférence. Parce que quand je voyageais, j'essayais d'assister aux conférences. Mais tu voyages combien de temps ? Ben, je voyage un mois, trois semaines. Okay, ça me laisse le temps, en fait, de voir un peu comment est le pays. Sac à dos, à la découverte. Ouais, et chez l'habitant, alors que moi d'habitude je suis pas chez l'habitant. C'est une expérience incroyable, ça. Ouais. T'as un blog, t'as écrit des choses. J'avais un blog et j'ai une chaîne YouTube. Si on remonte un peu, on voit un peu mes aventures. Allez, c'est quoi la chaîne YouTube? Vas-y. Ben, c'est Jenny Léonie, tout simplement. Jenny Léonie, pour voir un petit peu tout ce que t'as fait pendant tes voyages. Ouais, je conseille des lieux également. En tout cas, quand je les ai faites ces vidéos-là. Oui. Et quand je suis revenue à La Réunion, plutôt d'abord en métropole parce qu'il y a l'arrêt à Paris, je me suis dit, allez, on va faire le challenge sans sucre. Et j'arrive à Paris et j'ai pas réussi parce qu'il y a que du sucre partout. Je me dis, c'est pas grave, je retourne à La Réunion, je tiens dans l'avion. Et quand je suis arrivée à La Réunion, je me suis dit, bah, d'accord, comment tu peux faire pour tenir? Et il y a quelque chose qu'on conseille souvent. On dit, alors à La Réunion, on n'a pas l'habitude de dire les choses. Normalement, on cache. Parce que au cas où ça fonctionne pas ou sinon c'est vrai, les gens ça râle le cœur de sucre. Donc on va pas dire. Et là j'ai fait quelque chose qui était complètement parce que moi j'étais comme ça, c'est-à-dire je disais pas quand j'avais par exemple à l'école quand on a un 18 on dit non j'ai eu 13, au moins on vient pas nous embêter ou des choses comme ça. Et j'ai fait quelque chose qui était complètement inhabituel, donc c'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Oui. J'ai été sur Instagram et là j'ai dit à voix haute, ben voilà, aujourd'hui j'arrête le sucre raffiné. Tu t'es engagée. Je me suis engagée, effectivement. What? Hey, et, d'accord. Et voilà comment mon aventure commence avec les réseaux sociaux et également avec le sans sucre. Alors, comme vous avez suivi, on va vous parler là, maintenant, de ce challenge sans sucre. Déjà, pourquoi on veut faire un challenge sans sucre? Pourquoi on s'investit là-dedans? Alors, déjà, pour se challenger soi-même, j'aime bien quand les gens disent « c'est impossible ». J'aime bien quand ils disent « ah, incroyable, pas possible ». Et en fait, non, c'est totalement possible. Maintenant, il faut comprendre plutôt deux choses. Déjà, on est en plein Covid. Il faut savoir que si on mange trop de sucre, le système immunitaire va diminuer ou plutôt va être affaibli. Donc, si on a une alimentation trop sucrée, on se donne les moyens d'avoir plus de virus que d'autres personnes. Et quand on va mieux manger, donc on va mieux booster son système immunitaire, ce n'est pas seulement pour, on va dire, se parer au virus, parce qu'on peut l'avoir également. C'est avoir un corps plus fort pour pouvoir l'enlever de son corps. D'accord. En tout cas, je le vois comme ça. Et la première raison, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas idée à quel point le sucre est présent dans nos vies et dans notre alimentation. Et d'accord, je ne parle pas du sucre qu'on contrôle, hein. Je ne parle pas du sucre qu'on met dans le café et on sait que la prochaine fois, on prendra une cuillère et demie. Je parle du sucre vraiment où on va manger et dans la sauce, il y a du sucre. Dans le jambon, il y a du sucre. Pour moi, c'est une découverte incroyable parce que j'ai commencé à lire les étiquettes, de me dire dans des petits pois, il y a du sucre également. Je me dis, mais quel intérêt de mettre du sucre dans les petits pois? Et au fur et à mesure que j'avançais, comme ça, je découvrais la panoplie d'alimentation qu'on avait. Alors, bien sûr, ce n'est pas dans le fait d'être dans la restriction. Oui. C'est juste se rendre compte de cette alimentation-là et de reprendre le contrôle. D'accord. Parce que quelque chose que j'aime bien penser, c'est que notre destin est entre nos mains. Oui. Et ce destin, il commence dans notre assiette. Parce qu'on dit souvent, on creuse notre tombe avec nos dents. Ça veut tout dire. Ça veut dire que dans la manière de manger, on sait si on va détruire notre vie ou construire notre vie. Ah, j'ai envie de rebondir sur ce que tu es en train de dire parce que c'est vraiment intéressant. Et lors de mes formations et tout... on disait en fait, on faisait comprendre, même dans les audios que j'écoute et les livres que je lis, que le sucre c'est comme une drogue. C'est comme l'alcool, c'est comme le Zamal, c'est comme la cigarette. Et si on en consomme trop... Attention, peut-être pas le Zamal, non? Si? Ok, d'accord. Ah, non, mais Zamal, elle a le côté le bien fait aussi. On se comprend, nous, on se comprend, d'accord, oui. Et donc, voilà, que ça peut être vraiment... Souvent, surtout à La Réunion, il faut dire ce qui est, on consomme très sucré. Et donc, je voulais savoir ce que tu en penses de ça. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il y avait des études qui avaient démontré même avec des souris qu'elles étaient plus accro au sucre qu'à la cocaïne, par exemple. Et à ce niveau-là, oui, on est totalement accro. En fait, il faut comprendre quelque chose. On est conditionné autour du sucre. De mon souvenir, peut-être... Pas maintenant, de mon souvenir, quand on allait chez le médecin ou chez le dentiste, on nous donnait un bonbon pour nous récompenser. Sucrette, oui. Et puis aussi, tout ce qui dit gâteau, sucrerie, c'est lié à des événements joyeux de notre vie. Oui. Donc on est conditionné à associer forcément le sucre à un événement heureux de notre vie. Donc si on n'a pas ce sucre-là, c'est qu'on n'est pas forcément heureux. Donc on ne pense pas aux conséquences sur notre corps. Et on va consommer, surconsommer,
Et après, à la fin, on va se retrouver avec un corps intérieurement. C'est pas que extérieur. Hein. Intérieurement, à ne pas comprendre, puisque j'appelle ça une bombe, le sucre. On va consommer, et après, exactement. Et après, boum, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourtant je mange bien, etc. Ben, peut-être que dans l'alimentation, il y a eu quelque chose qui n'était pas forcément... Et ça t'a fait perdre du poids ? C'est quoi les bienfaits ? Alors, c'est vrai que le premier bénéfice visuel, on va dire, c'est la perte de poids. J'ai perdu 15 kilos. Donc, ça a été vraiment un virage. Maman, arrête le sucre ! Mais ouais, mais là, on a trouvé la solution, là, maman ! Ça va plus loin ! Après, on dit sans sucre raffiné, hein, je précise. Le sucre naturel, le miel, par exemple, c'est toujours accepté. En combien de temps tu as perdu ? Alors, en combien de temps ? Je dirais entre 1 et 2 mois. Je dis entre 1 et 2 mois parce que j'étais trop concentrée sur tenir le challenge. Et au final, la perte de poids, c'était plus la cerise sur le gâteau. Ouais, le bonus. Voilà, parce que j'étais concentrée sur, je vais prouver à tout le monde que je peux réussir. Je vais dire non, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il y a eu d'autres bienfaits Bien sûr, intérieurement. Alors, j'étais comme une pile électrique, c'est-à-dire au niveau de mon énergie. Ouais. J'étais vraiment, je comprenais pas, j'étais super active, super productive, à droite, à gauche, même les gens disaient, mais tu es une hyper, comment on appelle active. Ça les enfants ? Oui, une hyperactive refoulée ou quelque chose comme ça. Et aussi au niveau de la clarté d'esprit. D'accord. Donc ce sont des bénéfices un peu, on va dire, un peu perchés. C'est juste se réveiller le matin et se dire, waouh, c'est clair dans ma tête sur ce que je veux faire, sur comment je suis. Et c'est jouissif aussi. Et de se dire également, je m'accroche à ça. Pour pouvoir continuer. Et un des bénéfices, c'est bien entendu au niveau de la peau. On m'a dit à un moment donné que j'ai rajeuni de 10 ans. On me demande même comment je fais. Quel âge ? Attends, parce que là, je vais avoir un problème là. Combien tu me donnes ? Moi, je te donne. Sincèrement. Sincèrement. Sans avoir entendu mes études, etc. Et toi ? Oui, la vingtaine. La vingtaine. J'ai 36. Je suis pas d'accord. Non, mais ça aide, arrête le sucre. Ah, mais c'est clair. Ouais. Mais ça y est, c'est bon là, ça résonne, t'inquiète pas, je vais commencer. Et donc. Je vais écrire demain sur mon Facebook, à ton azote. Après, à côté, il y a l'aspect. Bam bam, ok. pour régénérer son corps. Donc, c'est pour ça que je parle de détox. Oui. Parce que des fois, dans la détox en sucre que je propose, il y a des ingrédients que j'accepte. Les gens disent, c'est pas une détox. Je dis, non, on s'occupe du sucre d'abord. C'est la détox sans sucre. Et après, on verra les autres ingrédients. Il y a plusieurs niveaux au niveau du sucre. Comment on fait pour te suivre? Et si jamais on veut se lancer dans le challenge, on fait comment? Alors, déjà sur Instagram. Ok. Me suivre, il y a aucun souci. À chaque fois, je répète, propose. Je répète, Jenny Léonie. Sur Instagram, c'est @jenny.leonie. Ok, .leonie. Mais de toute façon, vous allez retrouver ça dans la publication du YouTube. C'est gentil. Merci. Et on m'écrit un message, on me demande juste. Alors, il y a des sessions. Là, j'ai lancé la première session. Les portes sont fermées parce que j'aime bien quand on est concentré. Pas quand il y a quelqu'un qui arrive à droite et à gauche et après qui va dire comment on fait ci, comment on fait ça. Et c'est sur 4 semaines. Et si les personnes sont intéressées pour la prochaine session qui va démarrer en janvier... Prams. Bonne résolution pour 2021. Exactement. Ce sera pareil. Ce sera sur Instagram, je vais l'annoncer. Si vous êtes inscrit à la newsletter. La newsletter, c'est quoi ? C'est un mail que j'envoie 1 à 2 semaines ou 1 à 2 fois par mois pour donner des nouvelles, pour dire les dernières tendances ou les recettes qui sont passées. Et les personnes sont averties comme ça. D'accord. C'est magnifique. Est-ce que... C'est quoi le sucre raffiné ? Alors, le sucre raffiné, c'est ce que tu as en poudre quand tu vas le prendre, quand tu vas l'ajouter dans ton café, quand tu vas l'ajouter dans... Donc, on a droit à quoi, alors ? Alors, on a le droit à tout ce qui dit sucre naturel, c'est-à-dire le sucre directement dans les produits. Par exemple, dans les pâtes, il faut savoir qu'on peut parler de sucre quand on parle de pâtes. Là, c'est le produit qui est fait à base, alors avec peu d'ingrédients, des ingrédients naturels. Oui. Donc, ça, c'est autorisé. On parle de glucides, pour le terme un peu technique, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et après, il y a le miel. Parce que pour moi, c'est naturel et je me dis que la nature, que la terre nous aime. Au moins ça, oui, d'accord. Oui. Après, il faut savoir, par exemple, le miel d'acacia, c'est le miel le moins sucré. Okay. Donc, il y a aussi... On trouve ça à La Réunion ? Oui, bien sûr. D'accord. Et ensuite, il y a le miel sauvage aussi, si on a la chance d'en trouver. Et ça, c'est vraiment tout bénef, j'ai envie de dire. Et pour finir, là, ce que je disais, je pense que la terre nous aime. Et que dans la nature,
il y a la solution. Bien sûr. Et après, ce que je dis, j'invente pas grand-chose. Hein, si on réfléchit bien à nos ancêtres, à nos grands-parents, dans la manière de manger. Par exemple, avant, jamais on prenait un gâteau après-midi. On le prenait à 4 heures. Et pourquoi on le prenait à 4 heures? Parce qu'on laissait au corps le temps de bien digérer, le temps de prendre l'énergie. Et généralement, on prenait pas un gros morceau de gâteau. Et qu'est-ce que c'était à 4 heures le gâteau? C'était gâteau patate, gâteau manioc, gâteau tisson. C'est pas de la crème, le sucre, le glaçage et tout. Non, le gâteau la boutique. Exactement. Et qu'est-ce qu'on allait faire juste après le gâteau? Généralement, on était entre cousins et on allait à la rivière. On marchait, on allait nager, donc on se dépensait. Donc il n'y avait pas ce côté overdose de sucre et sans activité, parce qu'on était plus connectés. Et donc, toi, c'est un retour. Toi, tu as été formée pour ce... Je me suis formée toute seule. D'accord. Et après, je suis beaucoup de comptes YouTube et je prends également des formations. Et quand je vais à l'étranger, parce qu'il faut savoir qu'en métropole, ce n'est pas encore quelque chose, ça commence. Donc, il y a de plus en plus. Et quand j'ai décidé de me lancer, c'était plus en Australie que je trouvais des choses. Et à Los Angeles, bien entendu, parce que là-bas, le temple Elphi, le temple saint. Et en France, j'avais du mal à en trouver. Ça D'accord. se développe de plus en plus. Là, sur Paris, j'ai vu qu'il y avait des choses qui se faisaient. Et il faut faire ça quand tu fais ton challenge 30 jours, après tu fais ça tout le temps ou... Ben après, c'est toi qui décides. Généralement, moi, ce que je conseille, c'est au bout des 30 jours, si on a bien tenu, bien évidemment. Alors, le challenge, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça se fait étape par étape. C'est-à-dire que la première semaine, on va mettre en place les règles du jeu. Il faut le prendre comme un jeu. Et pourquoi il faut mettre en place les règles du jeu? Parce qu'il faut installer une compréhension dans son cerveau pour comprendre pourquoi on fait ça. Parce qu'une fois qu'on se lance là-dedans, on se rend compte qu'on est capable de faire beaucoup de choses dans sa vie. Et que si là-dessus, on arrive à dire non, on arrive à être fixé, on arrive à se dire je suis engagé et je suis concentré, ben on peut accomplir d'autres choses à côté. Moi, j'ai une question, justement, tu sais, par rapport à ce que tu es en train de dire, mais il y a des périodes bien particulières, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, le sucre aussi, c'est culturel. Dans certaines cultures, c'est très sucré. Un exemple tout simple, le 1er janvier, c'est liqueur et boudoir, c'est un baptême, ben on tout partage tout de suite un dragé, on Alors, commence comme ça. Etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et justement, mais pendant à la Réunion, on est aussi très famille, très repas de famille, etc. Et comment garder son cadre sans sucre raffiné et aller au repas ou toute une table et garder sa vie sociale. Exactement. Alors déjà, ce sont des moments exceptionnels. On est bien d'accord. C'est pas tous les jours. Mmh. Dans les moments exceptionnels, on peut faire des exceptions. Ok. Il n'y a aucun souci dans les grandes fêtes ou autres. Maintenant, dans les repas de famille, parce que c'est tous les dimanches, les repas de famille. Oui. Il faut savoir que c'est quoi la nourriture créole? C'est du riz, du grain, c'est des breads aussi, c'est un rougail. Généralement, le rougail, c'est quoi? C'est du cru. Mm-hmm. Donc, le cru, c'est bon pour le corps. Et c'est de la viande ou du poisson, ou si on a l'occasion, un civet ou un bouillon coquille ou autre. Donc, autrement dit, on a, mine de rien, un plat super équilibré. Là où, où se crée le déséquilibre, c'est quand on prend le bol de riz. Ok. Donc, il y a cette question-là, c'est est-ce que j'ai encore faim? Et j'invite d'ailleurs tout le monde à se poser cette question tout le temps. Est-ce que j'ai faim ou est-ce que je mange par habitude? Est-ce que j'ai encore faim? Et on a du mal à trouver cette réponse parce qu'on a pris cette habitude de manger, sans poser la question à son corps. C'est vrai. Est-ce que c'est OK? Est-ce que tu veux encore? Est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête? Et mine de rien, le challenge sans sucre permet de se reconnecter à son corps. C'est un peu, en fait, je confirme un peu ce que tu dis parce que c'est un peu ce que je pratique depuis quelques jours. Manger autrement, revoir sa nourriture, etc. Et c'était... Il y a une notion, je ne sais pas si ça te parle, manger en conscience. Exactement, pleine conscience. Okay. Oui. C'est exactement ça. Ok, d'accord. C'est quand tu manges, déjà, de te dire... Alors, j'ai intégré quelque chose qui est un peu perché, parce que j'ai un côté un peu perché. Okay. C'est... J'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit qu'il fallait remercier chaque ingrédient qu'on mange, en gros. C'est de remercier, quand on prend le riz, c'est de penser à la personne qui a accueilli le riz, la personne qui a emballé le riz, la personne qui a apporté aussi, qui a fait cuire. Alors, surtout rester avec nous, d'accord? Parce que nous abordons un sujet d'actualité très grave. Et nous avons Jenny qui nous parle du riz. Exactement. Qui a été cueilli. Oui. Voilà. Et qui arrive devant et nos assiettes. Fois, il faut remercier bon Dieu, bien sûr, oui. Mais on remercie aussi le moon que l'a cueilli. Oui. Hein, et que l'a tué le porc pour le Exactement. Saucisse, rougail saucisse de nos jours. Juste de remercier, de dire merci pour cette nourriture. Et juste ça, des fois, ça commence à remplir le ventre. De dire waouh,
Et ça, il rentre toute vente. Mais oui. Il est magnifique. Comment le cantinat, je ne comprends pas, moi. Pas possible. Mais essaye, qu'est-ce que ça coûte? C'est gratuit. Mais, non, mais bien sûr, mais je vais essayer. Mais tu vas faire perdre des sous à Muta Santé, à je ne sais pas qui quoi, les entreprises de... Justement, allons parler un petit peu de ça. On a encore quelques minutes. Tu parlais d'une société qui, justement, avait peut-être tendance à mettre beaucoup de sucre. Alors moi, j'ai eu vent un jour en discutant avec quelqu'un qu'on trouvait assez bizarre, hein, ces lobbying là, où les gens qui produisaient les limonades, les jus de fruits et tout, c'était les mêmes gens qui étaient à la tête d'associations de lutte contre le diabète, et c'était les mêmes gens qui faisaient les médicaments et tout, nanana. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense qu'on a deux façons de penser. C'est soit la première, de se dire, de se victimiser, hein, le syndrome de Calimero, de dire, ben voilà, de regarder ce que fait ce monsieur-là ou cette dame-là, ben là, un coup à droite, un coup à gauche, etc., etc. Ou la deuxième façon, c'est de se centrer. En fait, cette personne-là, elle fait ce qu'elle a à faire, on est d'accord? Donc, elle propose. Elle n'a jamais mis un couteau sous la gorge de qui que ce soit pour prendre les choses. C'est à nous, en fait, de reprendre le contrôle. Si on remarque qu'effectivement c'est bizarre, etc., etc., on peut réfléchir, on peut débattre pendant des jours. Et pendant qu'on débat pendant des jours, ben on perd du temps à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire cuire ce soir? Comment je peux faire plaisir à mon corps? Comment je peux faire plaisir à Donc toi, tu veux éveiller les consciences individuellement et surtout responsabiliser les personnes, qu'elles reprennent le contrôle sur le contrôle sur leur assiette. Ça commence tout simplement sur l'assiette. Oui. Et après, petit à petit, on se rend compte que ben, on reprend le contrôle sur son corps, sa vie, sur ses projets également. D'accord. Avoir de l'énergie, c'est important. Oui. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour encadrer les femmes dans l'entrepreneuriat, oui, mais il fallait de l'énergie des fois, parce que des fois, on a des gens en face de soi qui n'ont ben, pas envie, oui, là, ça va pas, nanana, donc il faut avoir de l'énergie pour deux. Et j'ai remarqué que mon alimentation, mon cadre de vie, me permettait d'avoir de l'énergie pour deux, d'avoir cette énergie-là, d'envoyer du lourd, comme on dit, pour pouvoir justement aller là où j'ai envie d'être. Donc, ça commence là, en fait. Ça, c'est vraiment une deuxième carte, hein, que tu nous fais découvrir. Donc, au-delà de cette affinité avec le sucre, ce challenge, ou le sans sucre, plutôt, oui, voilà. Eh bien, à côté de ça, tu accompagnes des femmes chefs d'entreprise. Alors, vas-y, dis-nous. Alors, moi, j'appelle solopreneur, c'est-à-dire des femmes qui sont toutes seules derrière leur ordinateur. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand on est toute seule pour être passée par là? Quand on est toute seule derrière son ordinateur, on se dit que c'est pas possible. On se dit que, ben voilà. Encore une fois. Oui. Un tel n'a le cousin, l'autre n'a ceci, l'autre n'a cela. Et on peut se retrouver aussi à attendre le cousin qui nous promet de faire la page de je ne sais trop quoi. Et au final, les choses n'avancent pas. Donc, quand on est solopreneur et qu'on a envie de faire un truc et qu'on sent qu'on a quelque chose à partager, on peut se sentir bloqué. Donc, on a besoin d'accélérateurs, de catalyseurs. Et ces accélérateurs-là et ces catalyseurs-là, ça peut être des formatrices, des formateurs. Ça peut être également des accompagnatrices, des accompagnateurs. Et, ou des consultantes également. D'accord. Et je me situe carrément sur les deux derniers schémas, savoir D'accord. accompagnatrice et consultante, pour aider à avoir un peu plus clair sur comment on peut accélérer les choses, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que des fois, on ne sait pas. Ce n'est pas qu'on D'accord. ne veut pas, c'est qu'on ne sait pas Dans comment... Dans le domaine de la communication. Exactement. Sur okay. Instagram, par exemple, comment on peut créer du contenu. La création... Je pense que chacun a eu un don et moi j'aime bien croire que c'est dans la création, création de contenu où je vois, où j'arrive à voir des choses et me dire mais oui mais cette personne pourrait faire ci, elle pourrait faire ça. Et des fois il y a des gens, parce qu'ils ont leur vie aussi à côté à gérer, hein. Des fois ça prend de l'espace dans le cerveau. Hein. Ça résonne beaucoup oui. en moi ce qu'elle est en train de dire, je comprends donc, pas pourquoi. Du coup ce qui se passe, quand on rencontre quelqu'un qui nous aide et qui nous permet, parce qu'on a aussi ça dans l'esprit de dire ah, c'est bon je vais me faire tout seul. Alors que non, aujourd'hui on a des moyens d'aller plus vite. Soit c'est à travers les vidéos YouTube, soit à travers des articles de blog ou autres. Il y a des moyens aujourd'hui. Donc, En tous les cas, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez surtout pas. Parce que bien souvent, on ne sait pas où aller et comment faire. Il ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide. Exactement. Et de se faire accompagner. Exactement. Voilà, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force de savoir qu'on ne sait pas faire. Et qu'on peut être accompagné. Et comment tu accompagnes? C'est en individuel, en groupe? Alors, j'ai les deux.
à savoir que, alors j'ai eu une, là aussi parce qu'on peut pas tout faire, il y a cette réalité également, j'ai eu un premier accompagnement, c'était en individuel, c'est-à-dire que sur une période de 5 mois, je vois de A à Z au niveau du business, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi l'idée, à qui elle va s'adresser, comment on va définir. C'est pas moi qui le définis, c'est la personne. Et j'accompagne pour diriger la personne sur comment elle peut s'aiguiller. Et ensuite, on arrive sur de la création de contenu, sur l'utilisation d'Instagram, où là, je montre les techniques. Après, c'est une technique d'un point de vue business, parce qu'il y a Instagram, le côté influenceuse, et il y a le côté business, c'est-à-dire je propose un service, comment je peux toucher les gens, qu'est-ce que je dois dire, comment je peux contextualiser mon produit, par exemple. Okay. Parler aux gens pour qu'ils puissent venir vers moi. Et ensuite, on passe sur le côté vente, parce que personnellement, la vente, c'était très difficile. Il y a des gens qui arrivent à vendre, et moi, par exemple, aller faire une brocante, c'était la honte par le passé. Je me disais, c'est pas possible. Alors que c'est un très bel exercice pour apprendre à se connecter à la vente. Oui. Donc, pour moi, c'était non, c'est bon, si les gens veulent, ils viennent, machin, etc. Donc, j'avais du mal et je m'étais dit à un moment donné, si moi j'ai eu du mal et que j'ai réussi à vendre, j'ai réussi à aller au-delà de ça, c'est qu'il y a des femmes et des hommes aussi, parce que j'ai quand même un homme que j'accompagne. Ah, donc. C'est génial, oui. Tout ça, Jenny. On a passé un super moment ensemble. Ah, oui. Plaisir et un partagé. Peu court, parce que du coup, on a beaucoup discuté de ce challenge sans sucre, 30 jours. On peut faire appel à toi, parce que c'est ton métier, en tant qu'accompagnatrice consultante sur les réseaux, notamment Instagram. On va vous mettre ses coordonnées, n'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et Jenny, tu reviens quand tu veux. Très gentil, peut-être, merci. Peut-être venir avec des jeunes femmes qui ont testé le challenge, pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. Oui. Toi, bientôt, Karine. Oui, moi aussi. Allez, pas solidaire avec vous. D'accord. Quand on ne me connaît pas. On mettra une date et puis on vous dira. Et si à l'écran, vous voyez qu'on a changé, c'est que ça a marché. Voilà. Bonne soirée à toutes et encore merci. Merci. Merci, à bientôt. Nous retrouve. Bye. Au revoir.